Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 10e épisode sur Red Dead Redemption 2. Donc on va aller voir, je crois qu'il y a Mika qui est en prison. On va attacher le cheval. Baisse un peu ton son, Georges, s'il te plaît. On va voir. Je pense pas qu'ils soient en prison quand même, si. Merci mon grand. Heureux les simples d'esprit. Donc bonjour, je viens de Blackwater. Je suis sur la piste d'une bande très dangereuse, celle des Colm O'Driscoll. On m'a dit qu'il y avait eu un accident. On ne traite pas avec les chasseurs de primes par ici. Si vous pouvez me faire une description. Ils n'ont pas l'air très accueillants. Déjà, on va le brosser. Après, on va le caresser. Puis après, on va aller voir... caresser un coup pour essayer de regagner quelques points et sur le mettre à fond. Puis après on va faire le tour. Voilà. Non, c'est pas par ici. Arthur. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? Alors, est-ce qu'on va le sortir? Real funny. I ain't joking. Ouais, mais c'est le racisme du début, ça. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. Now, I got an opportunity to watch you be silenced. But you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. This wall just needs some good forcing. Alors, est-ce qu'on peut, avec son cheval, tirer sur les barreaux? Oui, j'ai de la dynamite. Might want to step back a bit. Maybe that steam donkey over there still works. Let's get out of here. Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I knew you were scum the moment I laid eyes on you. You're dead now. Damn it! Oh. J'ai entendu le coup du treuil. Trust you.
You have finally lost your damn mind. Ramasse. Ok. En plus, j'ai oublié de mettre le bandana. J'avais pas lu. J'ai un peu paniqué. On va la recommencer. On va recommencer. Non. On recommence depuis le... D'ailleurs, le discours. Comme ça, je peux recommencer. Il a parlé d'Utreuil. Ça, on va y passer. On y a vu. Il a parlé d'Utreuil. C'est vrai qu'il m'avait semblé voir un treuil, un truc, là. On va voir ça. Allez, on repart pour le discours. Hello, old friend. On peut pas s'excuser. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Alors. You got any dynamite? Prendre le crochet, eux. Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Empoigner le levier. Allez, hop, 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 hop. Come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Bon, bah ça change pas grand chose. Skinny!
Micah, it's Norman. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur. Oh, je peux pas. Il parle à une femme, apparemment. Je crois qu'il m'a dit de l'attendre dehors. Ah, il est là. This way. Yeah? Who wants to see me? I'm sending that straight back. Where are you going? Ok, là je me suis trompé dans les touches. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je me suis trompé dans les touches. Donc on va reprendre au point de chargement. Reprendre au point de passage. Faire un peu de fric, ce serait bien. Oh, au fond, on en est. Ouais, oui. Une balle d'où? Alors là, là c'est trop fort. Alors là, c'est un peu brouillon. Allez, reviens par là, toi.
Allez, ouais. Bon, ça aurait été un petit peu chaotique, cette mission. Pardon. On va vraiment se dégager ici. Ouais, on va partir. En plus, on est recherché dans tout l'état, maintenant. Le campement, il est où? Il est là. Ouais, je suis doué. Non, je suis pas doué. Ah, en plus, faut que je suive. Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Et donc c'était qui ce gars? Skinny? Le maigrichon. On a fait un bout de chemin ensemble. On a braqué une banque dans le sud, ça c'est mal fini. N'empêche, maintenant je suis recherché partout dans l'état, quoi. Moi qui faisais des efforts pour être le plus sympathique possible. Ouais. Ouais, je vous avouerai que moi j'aurais bien laissé en tôle si j'avais eu le choix. Par où il nous fait passer? I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you got to okay, act? Je vois que c'est l'amour fou entre nous. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes. Brothers make mistakes. Ça c'est vrai aussi. I'm heading back to my little camp, round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. Okay. Ok, donc on a un holster à main côté faible. Ouais, j'ai pas fait un grand truc. Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme autre chose? En vous échappant, tuer les représentants de la loi à cheval en 55 secondes, réussir 15 tirs en pleine tête, ouais, terminer une précision. Ouais, 70. Bah, j'ai pas eu. Ah, ouais, mais je suis mort. Ouais, je pourrais clairement la refaire celle-là. Ah, ça y est, maintenant je peux faire les deux. Allez, on va rentrer au camp. On va rentrer au camp, puis ça fera... Bon, on peut croiser des gens, faut juste pas que ce soit des représentants de l'ordre. Oh, je dois pouvoir traverser par là, non? Je peux pas? Mais vous savez quoi, on va pas tenter le diable à cheval. C'est un coup à se noyer. Je vais pas tirer sur les écureuils avec le fusil à petit gibier. Hein. J'ai retenu la leçon de l'épisode précédent. Attendez. On a quoi dans le coin? Ouais, par contre, maintenant, je suis recherché dans toute la zone, quoi. Alors là, vous voyez la petite frontière rouge, donc je pense que ça veut dire qu'on est... Ouais, on va faire un passage éclair par le camp. Je sais pas si je peux y vendre des choses ou pas. Easy.
Ouais, je me serais bien servi du fusil à petit gibier, mais avec quelqu'un qui passe à côté, c'est un quoi s'il pense que je lui tire dessus. J'ai appris à être prudent maintenant, quand je me servais de mes armes. Ah, il se passe quelque chose là-haut. On va en profiter pour aller explorer un petit peu. Alors lui, il est perdu. Qu'est-ce qu'il y a, Pécor? Enfin, c'est pas un Pécor, mais c'est un Pecno. There's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. Oh. I ain't got time for No, wait, no, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Maximo Cristobal Valdespino. Non, je te connais pas du tout. Et puis un explorateur qui est perdu avec sa carte, c'est un peu crinos, quoi. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country, reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Et il y aura un saphir japonais ici. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area. Ah, une carte au trésor, ça peut être cool. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. C'est plus d'arnaque, mais bon. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Là, on va être sympa. Ou je le dévalise, hein. Well, $10 and it's yours. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it? Parce que si ça, s'il me prend pour un pigeon, j'aime pas trop la blague. Ah, yes, you're funny. Listen, give me the map. I'm done asking. Oh, my, here, take it. Just let me be. Ouais, on va pas jouer au con pour une carte. Bon, au moins, j'ai eu la carte, et puis j'avais pas versé 10$, ça se trouve, c'est un piège à avoir un attrape-couillon. Je pense pas, à mon avis, c'est encore la partie tuto. Vous voyez, c'est carte au trésor trouvée x1, etc. Les défis x1. Je vais pas rentrer au camp bredouille. Allez. Il
On va tout dépecer. Et on va tout ramener au camp. Donc lui, il est mort. Elle n'est pas morte encore. L'autre, j'ai utilisé une deuxième fois, je pensais qu'il allait se barrer. Mais hop. On va prendre la fourrure, on va y poser dessus. Et puis après, on va aller chercher le cerf, on va y poser dessus. On est à 25 minutes. Ouais, 25 minutes de vidéo, ça fait une petite vidéo pour l'instant. C'est pour ça que je fais un petit peu de... Je vais y donner au camp. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'argent. Vu que j'ai de l'argent et que de toute façon, je peux pas acheter les armes encore parce que c'est verrouillé. Ah, j'ai fait ça. On va le dépecer. On est loin du camp ou pas? Amis, si on n'est pas trop loin du camp, je prendrai la carcasse et je la mettrai sur, sur le cheval pour l'amener. Ouais, on est vraiment à côté. Pourquoi je me trompe toujours de touche? On va prendre la carcasse en attendant de trouver mieux. On va la charger, au pire ça fera de la nourriture pour le camp. Donc du coup là j'ai attaché mon cheval. J'ai attaché par terre, j'ai maintenu E, ok. Bah, peut-être qu'il y a moyen de pouvoir l'attacher partout. Ouais, il y a des traces du cheval. C'est cool, j'avais jamais fait gaffe. Un gars par terre, il est mort ou il dort? Excuse me. Ah, them clothes. Non, non, il dormait. Je jette un coup d'œil voir si j'aperçois pas un peu des cervidés, des biches, des antilopes. Hop. Vous voyez, une balle de fusil, c'est comme la flèche, hein, si c'est fait sur la partie tête, ça tue en un coup. Hop. Là, je peux l'attacher à un arbre apparemment. On va enlever le cerf de Virginie. Il est plus très frais. Je sais que là je joue un peu la montre, mais... Ah, c'est tout. Je pensais que ça m'en rapporterait, que j'aurais une meilleure trace. Mon tir devait pas être génial, faut croire. Ouais, je me trompe toujours de touche, mon dieu. Il
me trompe toujours de touche. Elle est où la fourrure? Et j'ai perdu la fourrure d'antilope. Elle a roulé. Attendez. Elle est là. Fourrure d'antilope. Elle a roulé près du corps. Fourrure d'antilope. Mauvais état. Hop. Alors tant pis, on va essayer de se ramener quelques pots, ça fera toujours 2-3 dollars pour le camp. Voilà. Bon, le cheval est un peu... dans une position un peu bizarre. Non mais je veux pas ça. Ah, les touches c'est laborieux des fois. Le duo il est pas en forme. Allez. Allez, Joe. Donc, il n'y a toujours rien à voir pour l'instant. Non, rien. Ce sont des rochers. On va les chasser un petit peu, là on n'est pas loin du camp. C'est quoi ce truc? Là il y a eu un truc qui a bougé là. D'accord, c'était ça. Et purée, ouais, heureusement que j'étais un bon chasseur et que j'ai pas tiré sans avoir eu confirmation. On va aller voir ce que c'est. Point d'interrogation. Un chercheur d'or. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Là, c'est un archéologue. You're not a spy. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct. Ah, mais c'est les premiers autres dinosaures. À tous les coups. Leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, qu'à l'époque, ça venait à peine d'être connu, ouais. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Ouais, ça faisait pas pousser non plus. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Ah, donc on débloque encore une des quêtes secondaires, quoi. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir.
Alors les roues qui tournent alors que le chariot n'avance pas. Why not? Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas mon cheval. Je l'ai massacré, hein. On est d'accord. Plongeons avec blanc. Ok, bah au moins ça m'en fait un nouveau trouvé. Alors. Ouais, mais là je suis pas bon du tout. J'ai touché, hein. J'ai réussi à le toucher, il est pas mort le piaf. Ok. Bon, après j'étais pas parti pour faire ça, mais c'est pas grave. Ouais. Y'a quoi? Y'a rien dans le coin que je peux chasser? J'y guette et y'a des petits effets de déformation de chaleur. Le jeu est super beau. Ah si, là. Ouais, mais c'est du cheval, je vais pas chasser le cheval. Ah. J'ai pas encore tué du coyote. Donc là, je pourrais éventuellement la libérer. Apparemment, elle a tué un homme qui la battait tous les jours. J'ai perdu les coyotes. Je sais pas où il était. Donc je pense qu'on a un moyen de libérer la femme si on attaque le convoi. Ce qui est sûr. Ah. Ah non, c'est l'ombre du piaf. On va s'éloigner d'ici parce qu'avec ce que j'ai tiré, il n'y aura plus rien.
Hold up. Hop. On va quand même regarder sur la carte, il y a quoi par ici? On va aller voir par là-bas, il y a un truc. Il y a un corps. Yep. Je vais à tous les coups je vais me faire accuser du meurtre moi. À moins que ce soit une carte au trésor. Alors. Allez. Cher monsieur. Pardon. Kérosène, ok, tard. Ouais, il est regrettable que vous ayez refusé les nombreuses et généreuses offres de rachat de la part de Corman. Après ce délai, je doute que ma compagnie, nous sommes. Ouais, sincèrement. Ok. Ouais, bah ça. Ça pue l'arnaque, ça. Le mec, il a refusé une offre d'achat. Et moi, je le retrouve mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Bon, elle est par là. On va essayer de voir si on peut pas trouver du gibier un peu pour amener des pots. Ouais, il y a du petit gibier là. On va quand même reprendre l'arc. Et si on essayait de, hop, de domestiquer un cheval? Donc on peut l'attacher partout. Donc on va voir. Du coup, je me suis renseigné un petit peu. Donc faut pas y aller comme un bourrin au lasso, ça marche pas comme ça, c'est pas un film. Donc ça c'est quoi comme cheval? Un cheval du Kentucky. Bon allez, on va se tenter. Voilà, donc vous avez vu, la barre, faut que ça reste en blanc. Bon, après c'est un facile. On va tenter une première capture. Autant tenter avec un facile. Stay calm. Arrêtez-vous, calmez-le avant de continuer votre approche. On va s'approcher gentiment. C'est un mâle.
Ah, j'ai carrément raté. On va voir ce que c'est à côté. Normalement, c'est le même troupeau. Ouais. Et ça. Ouais, c'est juste pour le fun. Now, settle down. It's okay. Du calme, gentil, gentil, gentil. Ouais, t'es beau. Gentil. Voilà, et puis il va falloir qu'on enfourche. Ok. SQD. Alors, QSD. Bon, ok. Maintenez S et utilisez. Ah, c'est parce que j'ai pas gardé sur S. Il est parti loin l'autre. Mais il est revenu. Bon, on va recommencer l'approche. J'aimerais bien réussir une capture au moins une fois. C'est pas tellement que j'ai envie de l'avoir ce cheval, c'est juste que je vais aller loin quoi. Du calme. Donc je maintiens S. Oh 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 oh. Vous avez réussi à débrouiller le cheval, mais il n'est pas encore complètement domestiqué. Continuez à renforcer vos liens. Bon, il est sympa quand même. Bon, on va aller le vendre. Voilà. On va aller le vendre. Donc j'ai réussi à attraper un cheval. Ouais, ils s'entretuent, c'est bien ce qui me semblait. Ils s'entretuent pour pendant les combats. Après, il a beaucoup moins d'endurance que le mien, et beaucoup moins bien que le mien, on est d'accord. Mais de ce que j'ai cru comprendre, de toute façon, le pur sang est, fait partie des meilleurs chevaux du jeu, donc... celui-ci, je vais juste aller le vendre. Je vais voir combien ça rapporte d'argent, surtout. Voir si ça peut avoir le coup de se mettre dans la... Il est trop loin pour m'entendre le cheval. De toute façon, je vais à l'écurie, donc je pense qu'il sera à l'écurie au pire, mon cheval. Logiquement, oui.
Hop. Hey, you there. Can I have a word? Hello. Non. Allez. Allez. Combien ils vont m'en proposer de ce canasson? Quelques dollars, j'espère. 10, 15? 2 dollars? Tu te fous de ma gueule? If you ain't got papers, I can't give you much. I've been burned before. Combien ils valent les chevaux? Alors attendez, le trotteur américain, il le vend 135. Le demi-hongrois, 135. Standard. Alors, ça, c'est un standard. Et il a quoi, lui, l'Hollandais à son chaud, là? Il a quoi de spécial? Il a quoi de spécial? Je sais pas. Yeah, I'll go hunt that down for you. Alors lui. Ouais, lui il est. Bah la blette, ouais, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur. La blette, c'est le meilleur. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Mais j'ai ma montre qui déconne, comme d'habitude. Ma montre qui se met à me parler quand il faut pas. Mais bon, ça c'est pas la fin du monde. Bah on va gérer les chevaux. On va prendre la blette. Et puis on va partir. On va partir. Bon, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao les amis!